Salut à tous, on se retrouve pour un petit tour en bateau. Donc je suis toujours dans le jeu The Witness de Jonathan Blow. Donc j'ai pour l'instant abandonné la façon de parler, j'ai laissé de côté l'énigme. C'est que j'étais bloqué là-bas, j'ai testé. J'ai l'impression d'avoir testé toutes les possibilités que je voyais. Et s'il y a quelque chose que j'ai compris sur ce jeu, c'est que ça sert à rien non plus de rester bloqué. Il y a tellement d'endroits à visiter qu'il faut que j'explore, et une autre énigme pourra me donner la solution de celle-ci. C'est pourquoi j'ai repris mon bateau et je me dirigeais vers cette zone qui m'intriguait sur la carte. Et j'espère y découvrir des choses intéressantes. On arrive dans une sorte de mangrove. J'espère que le jeu vous plaît. Bon, en tout cas, il me plaît beaucoup. Bon, en même temps, je l'attendais, donc. Et je savais qu'il me plairait. Mais j'espère que ces quelques images vous donnent envie de l'essayer. Donc, le jeu est sorti aujourd'hui sur PC. Il est également sorti sur PlayStation 4. Donc, j'imagine qu'il doit être très jouable sur PlayStation 4, vu que là, pour l'instant, je joue avec une manette. Une manette Xbox 360 sur PC. J'ai testé aussi avec la souris, les deux sont agréables. Ah, peut-être découvrir une nouvelle mécanique. Avec le soleil. Pour l'instant, ça m'a pas donné beaucoup d'indices. Alors on se croirait un petit peu dans de nouveau une référence à Myst dans ce monde des ponts suspendus, c'est qu'il y a des tuyaux, des arrivées d'eau différentes avec les. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Je pourrais faire Myst en vidéo, mais le problème c'est que je pense que même si j'ai pas joué depuis pas mal d'années, je me rappelle quand même assez bien. Là, les deux sont faux. Si je vais là, non. Comme vous voyez, par ça, ce jeu n'a pas des textes qui expliquent les choses. Donc c'est vraiment, faut observer, faut tester. De ce que j'ai lu sur parmi des commentaires sur Steam, c'est quelqu'un qui disait en fait qu'il faut avoir presque un esprit enfantin. Donc faut pas partir sur les a priori qu'on connaît déjà par rapport à des énigmes. Faut vraiment essayer d'avoir un œil neuf à chaque fois et de pas hésiter à tester, pas hésiter à abandonner, à revenir plus tard, à refaire le tour. C'est aussi ça qui fait que le jeu peut durer très longtemps à la fin. Il y a peut-être une question d'ordre. Voilà. Je sais pas si c'était par rapport au fait que sur le premier soleil, c'est que je suis passé. J'ai eu plus de faces que sur le deuxième. C'est une technique que j'ai essayé. Je sais pas si c'était ça, ce jeu. Avec ces histoires d'ordre, en fait, il y a toute une histoire d'ordre que j'ai pas. C'est que je suis pas allé jusqu'au bout de mes recherches sur l'énigme du marais juste avant. Là, j'ai pas
spécialement le choix du chemin. Il serait quand même pas mal que j'arrive au bout d'une des années. C'est presque les pires énigmes, celle-là, parce qu'il y a... Il y a très peu de possibilités au final, donc... Est-ce que je peux... Ah, je peux pas passer par là. Je vérifie quand même, ça vaut toujours la peine. Si je regarde ici, c'était... J'ai l'impression que c'est juste un... Enfin, quoique ici, j'ai 2, 1. Et non, ici, j'ai 1, 3, donc... Donc ça a l'air d'être un ordre... C'est juste un ordre. Un ordre à suivre. Est-ce que... Ouais, je peux pas... Tout le problème de ne pas pouvoir retraverser une zone qu'on a déjà traversée. Si je passe par là, la seule possibilité c'est de monter. Si je passe par là, je peux aller soit tout droit, c'est fini, soit ici, on va tout tester. Bah, c'est. Mais pourtant semblait avoir testé ça avant, mais comme quoi, j'ai dû penser que c'était trop simple et... Des fois c'est la simplicité qui suffit. Là, il commence à avoir un peu plus déjà, enfin un peu plus de possibilités. Même si au final, je sais pas combien il y a de palettes sur ce passage. On voit qu'en fait ça au fur et à mesure ça me forme un pont en fait ces énigmes que je suis en train de résoudre. Celle-là, ça a l'air de marcher.
Ben voilà. Donc j'imagine que c'était ici, celui-là veut qu'un seul trait, celui-là qu'un seul trait, celui-là idem, celui-là deux, celui-là deux, et ça doit être symétrique. Après c'est peut-être pas du tout ça, mais c'est l'impression que j'ai eue sur... Donc là, aucun. Aucun qui est bon. Je ferai peut-être une petite ellipse sur les lignes précédentes qui a duré très longtemps quand même. J'ai une idée. Je sais pas si c'est ça, mais ici à chaque fois, j'ai deux soleils en fait qui sont ensemble. Donc, ça pourrait être ça la solution. Il reste à comprendre comment y arriver. Mais là. Ici, j'en mets deux ensemble. Ici, j'en mets deux ensemble. Et comme ça. Non, là. On voit qu'ici, il n'y en a que deux. Ici, il n'y en a que deux. Par contre, ici, ils étaient les quatre. Ça m'a l'air d'être sa solution. Je pense que j'ai trouvé comment marchait l'énigme, mais maintenant. Maintenant, il faut réussir à exécuter correctement le dessin. Et puis là, il y a les deux en bas qui seront juste. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça a l'air de correspondre à mon hypothèse. Si je fais comme ça, et comme ça, et voilà. Il m'a fallu un moment pour trouver la solution de cette énigme. Donc ici, ça doit être le même principe. Il faut en avoir deux en même temps.
Voilà. Ah ben non. On va isoler déjà ces deux-là. Ceux-là, et là je peux isoler comme ça. Et j'accède à la suite. C'était pas facile. Enfin, si maintenant ça paraît extrêmement simple, maintenant que je connais la réponse. Mais sur le moment. Donc là, est-ce que c'est juste. J'imagine qu'il y a de nouveau une histoire de séparation, mais il doit y avoir ces. Je pense qu'il faut passer par tous les points noirs. Par exemple comme ça. Et si je passe par tous les noirs mais que je réunis quand même les deux ensemble, ça s'ouvre. Ok. Je vais juste voir ce qu'il y a sur les autres côtés. Ici ça a l'air de monter. Si ça continue, je vais continuer vers ce grand arbre. Il m'a l'air très joli. Avec un mécanisme simple à activer. Ah. Le signe de gameplay universel pour dire qu'on n'a pas beaucoup de temps pour résoudre quelque chose. Et ça se referme. Ce sera pour plus tard. De toute façon, il vaut mieux savoir parfaitement quelles sont les étapes à faire plutôt que d'essayer de trouver une fois que c'est déclenché. Avec un bateau qui a l'air légèrement en ruine par ici. Je sais pas si je pourrais l'explorer plus tard. On arrive aux maisons. L'environnement est vraiment dense. Je sais que je l'ai dit plusieurs fois déjà, mais enfin, finalement la zone ici est assez petite, cette espèce de petit village perché. Mais ça fourmille de détails. Ah, et là on retrouve les petits points qu'il y avait avant, que j'ai pas réussi à résoudre une première fois. Là il faut peut-être en fait. Mettre. Ah, mais c'est pas les mêmes en fait. Je me disais qu'il fallait peut-être mettre ensemble les signes qui se ressemblent, mais. Je verrai plus tard de ce côté. Essayons de ce côté. Je me trompe de touche. Est-ce que ça fait quelque chose? Non. Non, il faut vraiment qu'ils soient les deux ensemble de la même couleur. Mais comment les séparer? Est-ce que comme ça? Ça marche pas comme ça non plus. Ici ils sont les quatre. Ah bah ça marche. Donc peut-être que ça le dérange pas d'être. Le but c'est qu'il n'y en ait que deux maximum par couleur, je pense, c'est ça. Alors ici. Parfait. Enfin, deux maximum, deux en tout, pas deux maximum, il faut qu'il y en ait absolument deux.
Si je fais ça, voilà, là par contre. Donc là, enfin, les couleurs là, elles sont encore vives, mais j'espère qu'il n'y aura pas trop de d'énigmes qui se jouent, qui jouent vraiment sur des nuances de couleurs précises, vu que je vois pas forcément bien les différentes nuances. Ça m'embêterait. Ah oui. Donc si je fais ça, non. J'en ai un troqué pris. D'aller comme ça, tac, 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 c'est bon. Donc là, d'un côté c'est bon, par contre de l'autre côté pas du tout. Je fais ça. Non, j'en ai trop d'un côté et de nouveau. Voilà, y a rien qui va. Là, les deux en bas, ça va. Les deux ici et les deux ici. Là, c'est pas bon. En fait, je suis de façon un peu bloqué pour la zone ici en bas où c'est que je suis. Ils sont forcément ensemble ces deux-là, ou alors je le sépare de cette manière-là, peut-être. Si j'y vais comme ça. Donc là, c'est bon pour la zone en bas. Par contre, j'en ai trop dans un des côtés. On voit qu'en traçant la ligne comme ça, on voit qu'il y a quand même une certaine symétrie. Donc, faut que je comprenne comment utiliser cette symétrie. Je peux pas juste me contenter de faire quelque chose comme ça. Mais, bah, je vais vous laisser ici sur cette énigme inachevée. De toute façon, j'ai l'impression qu'il y a encore quelques-uns de panneaux ici, vu que ça devrait m'amener par ici. Donc, j'y suis pas encore. Donc, je vous laisse. J'espère que je vous aurai donné envie d'essayer ce jeu. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur celle-ci ou à vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite de ce jeu, The Witness. Bye bye!